Bienvenue dans le monde des humains. Mais je comprends qu'il y a plein de yokai dans le monde des humains, c'est tout petit votre monde des yokai. Ouais, tu comprends, on n'a pas trop de chambres et tout, c'est pénible. Mais oui, mais en plus il est retourné à l'école et tout, genre il aurait pu attendre là. Non, non, je vais à l'école. Bah, c'est un peu dangereux d'attendre... Non, pas toi. C'est un peu dangereux d'attendre dans le monde des yokai, devant le monde des yokai. Ouais, mais il y a des chats, donc c'est cool. C'est vrai. Moi je serais resté là. Sinon, j'ai pas envie d'aller à l'école, ça me rappelle des mauvais souvenirs. En plus, c'est moi, je suis un yokai de base, j'ai pas envie d'aller retourner à l'école, c'est mauvais souvenirs, tout ça. Non. Non, je dois rester assis sur une chaise pendant 12 heures. Nuka, il va se dire, mais comment tu viens de l'école? J'ai appris la téléportation sur la planète Yardrat. Mariko, je suis si content que tu sois SNSO, je m'inquiétais, tu sais. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini et quelque chose de terrible arrive. Comment ça? De quoi parles-tu? Oh non, là, prépare-toi, il y a Triptyque, je sais pas quoi, là, qui revient. Esper, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai rien, je ressens une aura très très puissante de Triptyque. Ah, vraiment, vous n'avez rien remarqué, vous êtes inutile. Pendant que vous étiez parti, les potes de MC Kraken ont brisé les sceaux. Maintenant, Grand Val n'est plus qu'une grande centrale à yokai. Ah, voici la preuve, moi. Très bien, Kubi. Ouais, je vais réaffronter ce boss. Oui, je sors enfin du sommeil. Ah, attention, encore? Ah non, je dis non. Hein. Alors, je dis non. Ah non, 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 non. Ah non, hors de question, non, on raffronte pas Mandla, hein. Les sceaux ont été brisés, mon pouvoir est restauré, ils sont bons, Dieu s'assurera de faire une autre, et vous serez mon premier tankard. Lucas, je vais te manger tout cru avec ma langue. Bon bah revanche, hein. En fait, je rigolais quand je disais qu'on va affronter Triptyque, hein, mais... non, c'est trop. Ah mais raffronte le premier boss du show, c'est bien. J'avoue que lui aussi il a une voix. C'est parce que c'est le premier boss. Regardez-le comme il est nul. Mais non, c'est parce que c'est le boss final, figure-toi. Ah, tu t'y attendais pas, mais le boss... Bonjour. J'attends de viser, mais... Mais peut-être que je devrais juste faire ça, hein. Ouais, c'est bien. Ah bah y'a déjà un œil en moins. Allez vas-y! Trouve l'œil! Et le bon! C'était lui! Non, c'était pas lui. Quand il fait un gros flop, le gars, il touche jamais, hein, genre. On a trop de flics. C'est ça d'être le premier boss, tu vois. C'est... Ah voilà. Fureur du chaton! En fait, là-bas, c'est pas l'œil, dit le jeu. Ah bah... Allez, on est reparti. Il a quand même pas mal de points de vie, là. Hein. Bah, il va se passer un truc, quand même, pendant le combat. Il y a un petit twist, parce que bon, si c'est pour refaire exactement le même combat, c'est un peu bizarre. J'avoue que j'aurais peut-être... Bon, c'est pas... Je veux dire, comme c'est des attaques qui touchent tout, c'est dommage de les faire maintenant, mais bon. En tout cas, on dirait qu'il a mal. Hein. Ah, mais il aime pas le groupe de Damona, trop fort. Ah ouais, génial. Restauration de l'âme. Ah bah voilà, parfait. Comme ça, quand il récupérera ses points de vie... Ouais. Ah, ça a restauré que l'âme de... Non, ça a restauré tous ceux qui étaient sur le terrain, en fait. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah bon, bah c'est déjà l'heure. Je sais pas ce qu'il dit, mais on dirait qu'il dit « Oh non, non, non. ». Je sais pas, moi j'entends mon œil. Ah, peut-être mon œil, effectivement. Ça paraît plus crédible, effectivement. Ah, le dernier, je le rate toujours.
Chiboulet glacé. Oh. J'ai trouvé l'œil, bien joué. Ça n'était pas l'œil. Vas-y Dark Peach. Bon, en fait, on va faire ça. Oh non, Shibania, il a fait feu. Non, mais Shibania, il fait tout le temps feu, je sais pas pourquoi. Genre, au bout d'un moment, il fait bon. J'en ai marre, je vais pas faire de dégâts là. Oh, il a fait un coup critique. Ah ouais. Quoique, j'aurais pas dû. Après, il est pas trop tard pour annuler en fait. Parce qu'en fait, finalement, j'ai pas un perso qui fait une grosse attaque. Oui. Ils sont tous des AOE. Ce qui n'est pas plus mal. Oui, c'est bien. Ouais. Bon, allez, si on s'ennuie un peu, on peut faire ça. En vrai, Shogun, il a perdu pas mal de vie quand même. Bah oui, c'est pour ça que je fais ça. Bah, mais vu que tu dis oui, mais vu qu'on s'ennuie. Oui, donc du coup, je fais le skill de Naoko. Après, je pourrais leur monter en attaque. Après, ça se trouve, ça se cumule pas avec le boost de Naoko. Je sais pas, ouais. Ça se trouve, ça le remplace. Bravo. Ah, ça y est. Ça y est. Non, mais en fait, on va faire un boss rush maintenant. Oh, ça serait marrant. Vous savez que Pitou et Naoko ils se connaissaient pas, entre guillemets, parce qu'à chaque fois ils oui, sont c'est à vrai, l'opposé. C'est vrai, ils ne peuvent pas. Ah, c'était pas ça la bonne cible. C'était pas l'œil. Ah, voilà, le moment où il fait feu. Il en fallait bien un. Hein. Quoi ? Ah, on va savoir la vérité. Et c'était le bon ! Allez, c'est l'heure de frapper. Alors, qu'est-ce que ça te fait de revoir le premier boss ? Eh bien... Je me dis, bah pour le moment, je me dis, bah c'est un peu dommage qu'il ait pas eu de nouvelles patterns quand même. Je vous que bon. Il a juste gagné des points de vie. Ouais. J'entends mon œil et le battement au pot d'échappement. J'aime bien pot d'échappement. Hop 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 hop. Allez, il est bientôt mort là. On va essayer de le finir. Avant qu'il se... Ah, ça va être trop tard. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Coup final. J'y crois. Hop 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 hop. Ah, c'est bon, bien joué. Un petit coup critique pour finir en plus. En beauté. Et voilà! C'est qui le meilleur? C'est Shibanyan! Regarde, t'as vu la danse qu'il fait là? Ça, c'est une danse de vainqueur, ça! Eh bien, dis donc! Moi, ça va. Bravo, Naoko! 330 euros quand même, on a déjà ramassé là. Oh, sympa! Comment vous faites pour me battre une deuxième fois? Peu importe, avec cette aura, le puissant masque, comme si Kraken reviendra. Oh mince! Hariko, des yokai des bas-fonds, des yokai world vont bientôt arriver. Si Triptych a pu revenir, MC Kraken pourra faire de même.
Je sens qu'une aura sombre couvre toute la vie, je n'aime pas ça. Ah, c'est pas possible! Un petit kraken essaie de pulser l'énergie de la ville, de l'aura de la ville. Pulser? De puiser, oui, de pulser, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, Whisper? Bah c'est évident, on devrait, je sais pas, et qu'une seule chose qu'on peut faire, fermons l'ascenseur yokai et vite, genre là, maintenant, tout de suite! C'est un choix courageux. Es-tu sûr de vouloir le faire? Si tu fermes l'ascenseur, tu ne pourras pas rester dans le monde des humains. Comment ça? Considère l'ascenseur yokai comme un pont entre nos deux mondes. Et si tu fermes le pont, c'est comme si ils n'avaient jamais été connectés. Tous les yokai du monde des humains seront renvoyés au yokai world. Mais non! Ça veut dire que je pourrais plus me balader la nuit. Il n'y a pas de temps à perdre, Hariko. Les yokai s'infiltrent dans le monde des humains en ce moment même. Les humains n'ont peut-être pas encore remarqué, mais ça ne va pas tarder. Mais je ne peux pas! Bon, très bien, si c'est nécessaire, j'ai pris ma décision en un instant. Allons-y. Attendez, mais je ne peux pas, ça voudrait dire que je ne peux plus. Attendez, non, Whisper ne me suivra plus toute la journée. Attends, ok, Whisper... c'est bon, on y va. Mais, Damona peut-être plus, mais s'il n'y a plus Whisper, ok, c'est où je signe. Dites-moi, c'est où je signe. Cette détermination qui me rend fier d'être ton valet. Très bien, Hariko, c'est l'heure de réparer les sourds de Grand Val. Quoi? Non, mais cette fois-ci, il faut les réparer bien mieux qu'avant. Hein. Et pour ça, il faut que les cerisiers fleurissent. Faire fleurir les cerisiers? Pourquoi? Et comment? T'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il nous faut. La poudre de floraison. Ah, en plus, tu vois, c'est... Oui. C'est le printemps, ça va être bien. Oui, alors qu'on est en été, mais bon... Faut juste saupoudrer un peu de ça, sur les pousses de cerisier. Tada! Et il reste juste à trouver un moyen d'arrêter le flot de yokai. Je ne vois pas comment vous pourriez être plus inutile, hein, vraiment. J'aime bien ce monde, vous avez de la chance. Je ne vous aiderai pas sinon. Pendant que vous remplacez les seaux, je vais arrêter les yokai. Et Lucas, il fait quoi? Bonne chance! Bonne chance! Merci! Ratrosti va devenir le roi des yokai. Bon, bah let's go, hein. C'est bien, on fait ça la nuit. J'avais pas un point là-haut alors? Y a un point là-haut, mais je pensais que c'était pour me dire que c'était Lucas. Ah, c'est Lucas, tu penses? Non, je pense que c'est un vrai truc. Il y avait un saut à l'école, à la base. Ouais, mais on l'a jamais fait. Regarde-moi ces humains, ils ne se doutent pas qu'on va les envahir. Avec leur petite vie tranquille et insouciante, avec moi, ça passe pas. Ami de Hariko, aussi ami de Shepo. J'aime ta façon de penser. Protégeons le monde des humains ensemble. Je ne pourrai plus rien protéger une fois que je vous aurai écrasé. Parti, Hariko. Allons-y. D'accord, on se bat. Et voilà, s'il passe pas. Je me suis dit, ils ont l'air d'avoir beaucoup de défense, mais en vrai, non. On va découper le mur. Shatana! Vas-y, dégomme le Tosembo, il a touché toutes les parties vitales. Ah, non. Hop, ouragan! Oui, non, mais ok. C'est ça. Oh, et puis il esquive avec aise! Allez, on va aller leur donner un petit coup de froid là. Chiboulet glacé! Eh ben. Oh, ils ont de la vie quand même, hein. C'est clair. Finalement, je vais abuser de la multime. Ah bah forcément, une baffe de luxe, hein, c'est important. Elle les respecte pas, les ennemis, quand même. Elle enchaîne, c'est beau. Allez, hop, un de moins. Oh non. Ah, c'est bon. Impossible d'envoûter Naoko. Il n'y a pas un truc comme quoi les serpents, ils sont moins de chances d'être envoûtés ou je sais pas. Bah, c'est leur bonus, ouais, de clan. Naoko, elle est au maximum. Pas possible, impossible, passe pas possible, c'est pas possible là, moi je le dis. Et je lui fais oublier. Où suis-je? Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, monte la garde maintenant. Hariko, dépêchons-nous de faire fleurir ces cerisiers. Ok. Poudre de floraison.
Sur le yokai! Il a fleuri. Oh, je me sens fleurir, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous faites là la nuit? Hein? T'as vu? Là, il s'est mis à fleurir d'un coup, on est en été! Mais c'est pas dû au réchauffement climatique, ça? Que se passe-t-il? Non, bah non, c'était pas une question. Là, j'en sais rien, mais c'est super beau, hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Faut faire cette quête le jour, finalement. Oh, mais tout est devenu cerisier, en plus. Refleurir, hein. C'est bon, la zone est scellée, passons à la suivante. Ouais! Il y a des yokai. Alors, yokai de rang B, en plus. J'avoue, on devrait peut-être voir. Il est dans cet arbre. C'est le Père Noël? J'arrive vraiment pas à comprendre ce que c'est. Hein. C'est le Père Noël, t'inquiète. C'est vraiment le Père Noël. C'est vraiment Père le Père Noël. Il est fort. Ah bah c'est Ratatam. C'était pas le Père Noël vert du coup. Bon. Qu'est-ce qu'on donne au Père Noël? Un chocolat chaud. Un chocolat chaud? J'ai un café au lait si tu veux. Vas-y, tenez un café au lait. C'était un cookie qu'il fallait donner. Hey, ah bah il aime le café au lait. Oh, le chocolat chaud. Ouais, on savait, on savait. Restauration. Nya 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 nya. Ah, il fallait pas le frapper. Il fallait attendre pour qu'un orbe apparaisse et... pas le temps. On voulait juste voir c'était qui était rambé. Ah, c'est Garoni. Oui. Gagne. On a gagné une poupée de fuite. Ah, il n'a pas voulu de ton chocolat chaud. Non, pas de cadeau. Il a pas trop aimé la fureur du chaton. Comment après le... Je vais chez moi. Tu vas dormir. Je vais dormir. Ah là 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 là. Je me demande si le jeu va te laisser dormir en théorie. Je pense que oui. Mais oui, le jeu te laisse dormir. Non mais attends, on est quand même dans une situation critique là quand même. Je vais faire une sieste. Il faudrait pas qu'on soit pas en forme pour affronter les vilains. Non, mais c'est important d'avoir ses heures de sommeil pour bien grandir. Moi, plus tard, Rico l'a dit, je serai une fille de 1m90. Donc je dors 10 heures par jour. Elle a raison. Courage à Rico. C'était pas à la c'était banque. Plus haut. Je trouve que c'était à la banque. En fait, si ça se trouve, ça me dit d'aller au coteau fleuri. Attends, mais non. Ah oui, parce que c'est les sauts, mais c'est pas les sauts. Mais c'est pas les mêmes sauts, en fait. Mais moi, je me dis que c'est il va y avoir un truc avec tous les yokai avec qui on était amis, donc du coup... Là, on va avoir le kappa, peut-être. Ah oui. On ne te laissera pas faire. Tu peux pas gagner. On ne te laissera pas faire. Ah ouais, vous avez quand même un peu de mal, hein. Les laissant jeter, vous le faites qu'empirer les choses en résistant. Ce monde est à nous, on détruira tous les humains ou yokai qui s'y opposent. Eh, c'est pour voir, faudra d'abord que tu me passes sur le corps. Il a besoin d'aide, à nous de jouer, Hariko. Battons sur yokai pour établir le calme dans Grand Val. Allons-y! Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Oh, ils font mal. C'est clair. Naoko, tu veux pas faire le... Le boost avant que tout le monde meure pour que je puisse mettre Pitou? En vrai, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de points de vie en plus. Hein. Bon, sinon, au pire... Ah oui, mais non, si je fais la multi, mais elle fera pas d'envoûtement. Je crois qu'elle a pas envie. Bon, c'est pas grave. Vite, Pitou! Ah, il y en a un qui est mort. Bon, finalement, ils étaient pas aussi forts que les murs, du coup. Mais non, pas ça! Bon, c'est pas grave. Trop mignon, il a dit. Oh, finalement, j'ai été soigné, il a dit, Shogunian. C'est bon, je peux attaquer. Ça peut attendre. Ben, techniquement, le monde est en danger, Shogunian, donc il faut se dépêcher. Il sent bien, il a dit. Donc, c'est bon. Ah, hop. Ah, donc j'ai un petit peu d'argent. Restauration des âmes. Comme ça, pas besoin d'aller à un point de sauvegarde entre deux méchants. C'est vrai.
Je fais tout ça pour vous, Seigneur, M. Kraken. Ok, Hariko, occupons-nous de se faire fleurir ces cerisiers-là. C'est parti! Ça va, d'ailleurs, tout le monde est au courant en mode... D'accord. Bon, bah on va faire fleurir les... Ça bosse dur par ici. Après tout, ils peuvent que réussir puisque je les aide. Bah ça va, QV. Ouais, ouais. Et ben voilà. Ils ont fleuri, le sol est réparé. Hariko, on est tous avec toi. Hein. C'est pas ça. D'avoir des amis. Ouais, c'est bon pour le saut. Allez, suivant. Ok. Les cerisiers sont en fleurs. Ce n'est jamais arrivé en cette période. C'est bizarre quand même en été. Oh, mais c'est. Fréros! C'est Brukina. Oui. Ah, je suis super fort maintenant. Aucun mec peut me battre. Aucun mec, hein? Et pourquoi pas une dame, si tu te sens à la hauteur? Ah ah ah, tu crois vraiment qu'un sac d'os comme toi, il peut me battre, là? Tu vas voir ce que tu vas voir, mon grand. Ouais, t'inquiète même pas. Hein. Quand ce monde sera à nous, on récupérera votre cas. On s'occupera de votre cas, même. On récupérera votre encas aussi. Hein. Vous savez, mais ça sera sans moi, hein, finissons-en. Ouais! Puis pendant ce temps, il y a une madame qui passe tranquille, à côté, là. Mm. Oh. Oh non, ce Lily, elle va déjà mal. Et ils ont l'air de faire mal, hein. Oui, les mobs qu'on a fait, tu vois. Oh, y a plus aucun effort de fait, là. Revenge. Sourire fétiche. J'espère que tu apprécies le sourire de Naruto, quand même. Mais oui, elle a l'air tellement contente. Ah, il y a une âme, est-ce que tu arriveras à la récupérer? Ouais, ça va être chaud. Giboulet glacé! C'est bon, allez, on est reparti. Très bien. Ouf. Gameplay de qualité. Hein. Toujours, toujours. C'est important, c'est notre dicton. Notre faire-valoir, quelque part. Oh, vite, il faut les battre avant que Lily aille mal. D'ailleurs, Naoko n'a pas envoûté Lily. Elle n'est pas envie. Oh, je pensais qu'il allait mourir. Mais... Lily est presque, t'inquiète. Non, mais là, elle va le disrespect, c'est sûr. Ah non, ah, Lily non, a non, dit non avant quand même. Pas de claque. Pas de disrespect. De voilà. Oh, double burger et burger miam. Bah c'est toi qui as récupéré le ranka pour le coup. Oui du coup. Oh et ma tête, on viendra s'occuper de vous, je vous le garantis. Ah bah elle est repassée là madame. Ouais j'en doute pas, mais c'est le monde des humains aux humains quoi. Ça c'est bien débrouillé, tu m'as impressionné Hariko. Occupons-nous du seau maintenant. Bonne idée. Ah mais c'est Nathan. Mais des fleurs de cerisier. Est-ce qu'elles viennent juste d'éclore? Mais du coup il a fait quoi l'arbre? Il a passé à son cycle hiver et hop il est passé printemps. Enfin comment ça se passe? Peut-être. On a réussi. Les arbres sont en fleurs. C'est un truc qui permet d'accélérer l'âge de l'arbre en fait. Oui. Ça c'est ce que j'appelle un saut solide. Au suivant. Allons-y. Oh, Mac Kraken s'enfuit vers le Mont Sylvestre. Ah bon? Ah bon, quoi. On dirait que les nouveaux sons l'ont affaibli. Envoyons-le dans le Yokai World une bonne fois pour toutes. Genre, t'es au courant? Ouais, non, mais j'ai... Moi, non, je mais... sais, t'inquiète. Non, mais Whisper, il joue dans l'autre équipe, c'est pas possible, en fait. En fait, il sait pas dans quelle équipe jouer, en fait. Il est en mode, est-ce que je suis dans l'équipe de Hariko ou dans l'équipe de Mac Kraken? Je sais plus, en fait. Ah, j'avoue. Du coup, on dit au revoir à... À Tonnerre et Thor aussi. Ouais, c'est vrai. Waouh. Ils ont mis de la poudre de yokai partout.
Après, il se transforme en robot géant, c'est bon. De nouveau saut. Oh, j'ai peur. Vous croyez que ça va m'arrêter? L'aura qui flotte dans l'air est à moi, tout comme votre monde. Vos sauts ne servent à rien, vous entendez? À rien. Regarde, c'est tous les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Et vous? Ah bah voilà. Ah voilà, robot géant. Cracacacaca. Il est temps pour vous de voir à quoi ressemble le vrai pouvoir. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne prendras le contrôle de rien du tout. Exact, tu devrais laisser tomber et retourner d'où tu viens. Personne ne veut de toi ici. Yokai et les humains ensemble contre moi, incroyable. Faisons un marché, rejoignez-moi et je ferai de vous le plus grand et pourrez régner sur le monde. De 1, on n'offre pas ce qui n'est pas à toi. De 2, n'offre pas quelque chose qui ne m'intéresse pas. Désolé de te l'apprendre, mais tu n'es pas un très bon négociateur. En plus, je vois la couleur de tes dents. Moi, je te dis, va te brosser les dents, gars. Nous, on préfère vivre et coexister avec les humains. Oui, un tyran comme toi ne menacera pas le monde Amélie. Je protégerai Amélie et Hariko. Mais quel boss. Il aime toujours Amélie, malgré tout. Oh là là. Ouais, c'est pas bien de faire des choses pas bien. Vous n'avez aucune fierté, on dirait des vulgaires animaux de compagnie, j'en ai assez perdu de temps. Bah techniquement c'est vrai pour le Gémanien quand même, ce monde est à moi. Goûtez à la puissance qui va contrôler les deux mondes et vos âmes, préparez-vous, ça sera plus marrant si vous essayez de résister. Bah j'espère qu'Amélie dira plus qu'il est trop nul, parce qu'il s'en sort bien vrai, quand même notre petit chien. En vrai, Gémanien, le pauvre, s'il va dans Yokai World, il connaît pas en fait, s'il y a jamais été. Enfin, il s'est peut-être fait... C'est un jeune yokai. En fait, j'ai envie de dire, il s'est peut-être fait juger, mais peut-être pas, en fait, puisque Enma, il est mort. Je vais attendre un petit peu. Oh, il parle. Oh bah, ils ont déjà été envoûtés. Pour gagner un peu d'XP. Tourne. Moi j'attendais que Naoko elle envoûte tout le monde avant de switcher, mais enfin avant de faire les sorts. Ah c'est bon, merci Naoko. Encre de calamar. Oh pas très gentil ça. Ça a pas marché si. Ça a fait mal à Lily donc si. Ah si ça... Ah non, les autres ont échoué en fait. Enfin, échoué. On va éviter plutôt. Oh, en fait, il a des bras. Oh, il a une bouche, regarde. Non, Dark Pit, c'est pas le moment. Faut que tu soignes Lily. Dark Pit, soigné, non, très peu pour moi. Débrouille-toi. Mais soigne. Ah, c'est, voilà, bon. C'est bon. J'allais dire, mais j'allais dire parce là, que genre. Sinon. Débrouille-toi, Lily. Moi je suis grande, j'ai pas besoin. Oh non. Ouais, il a maudit. Il a maudit Pitou, alors que. C'est vrai? Oui. Wouah, c'était difficile de la purifier. Toi tu dois tourner surtout. Ah, mais j'ai pas fait ma technique pour bouton mâché sur l'écran de la DS aussi, c'est pour ça. Ah, t'as une technique carrément? Ah ouais, ouais. Tu connais pas la technique pour bouton mâché? Bah, regarde, faut faire ça. Ah, je vois. C'est vrai, c'est vrai. Wow, 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 wow! Hey, Naoko, tu veux pas booster Zibanien? Oh bah bravo! Et voilà. Ça va plus vite, effectivement. Non, mais au début, on est en mode début calme, tu vois. Bon, ça va, il est bien au taquet, Dark Pit. Ouais, j'avoue. J'ai voulu faire un soin au cas où. Je regarde même pas le combat. Ouais, finalement, heureusement que je l'ai fait. Petit cœur! Après, là, ils ont plus le boost de Naoko. Naoko, booste Lily! Ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait envoûter pour le coup, là, donc.
Mais là, il fait que ça, hein, genre. Il nous donne plein d'ex, il est gentil. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. Ah non, c'est l'aide de Naoko sur Naoko. Ah. Ça y est, là. Regardez. Ta mana est devenue plus forte. Par contre, je crois que j'avais pas fini le truc, en fait. Deux. Ouais, je sais pas, je croyais que c'était chargé, mais c'était pas chargé. Je sais même pas si j'enlève la malédiction de Damona, parce que bon... Ça dépend, mais on sait pas ce que ça fait, alors, en fait. Est-ce qu'elle peut pas faire de skill, en fait? Oui, je crois qu'elle peut plus. Du coup, bah, malheureusement, ça ne sert à rien, quoi. Oh, Naoko a été... maudite. Oh, regarde, c'est une team qu'on a jamais vue, ça. Bon bah du coup, il va falloir que tu recommences. Oh là là. Ah non, en fait, c'est juste des fois, il purifie plus fort, je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Pourquoi je peux faire ça? Non, mais c'est clair que le boost de Naoko, mais c'est genre trop bien, en fait. Mais oui. Oh, mais je peux faire ça. Allez, c'est parti. Non, mais en fait, t'as tellement désenvoûté des trucs, je me demande à quel point tu vas gagner plein d'ex. En plus, je crois que t'as eu un orbe d'ex en plus, genre. Ah, tout le monde a un peu la flemme. Oh, il a changé de phase. Ah, il y a plusieurs endroits. Genre, je peux lui attaquer les moustaches. Bon, on va attaquer la bouche. Allez, c'est bon, ils sont fatigués maintenant. En fait, on dirait qu'il y a des endroits où il faut toucher et d'autres non, en fait. Je sais pas. J'invente. Je sais pas, je t'avoue. Moi, je bourrine juste les contacts. Oui, de toute façon. Oh, il fait des attaques éclairs. Ok, ça va. Non, non, elle a pas d'âme ultime. Bon. Pitou, est-ce que tu peux... Ouais, voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ah bah, ils lui ont battu une moustache. Oula, oula, j'espère que Damona... Ouais, c'est bon, elle gère. Bon, tant qu'il faut que Pitou y gère aussi, là. Je veux quand même aider. Je sais plus ce qu'elles aiment. La glace bah, j'imagine qu'elle doit aimer la glace aussi. Je vais essayer de lui donner un cracker. Ah ouais. Par contre, ça n'a rien soigné, hein. Oui, bon. En même temps, c'est pas c'est pas un objet de soin super fort. Mais bon, ok. C'est des bonbons, donc... Okay. Enfin, c'est dans la même catégorie que les bonbons. Ok, ok. Bizarre. Non, non, tout le monde va être maudit. Complètement. Allez, c'est pour regagner un petit bonus d'exp. Vas-y. Non mais on farme en fait, on est en train de farmer. Oh, il a récupéré ses moustaches. Non mais c'est les fameuses moustaches de coupe. Par contre le son de gratter est... Oui. Allez, un petit burger pour Naoko parce qu'elle le mérite. Non non non. J'avoue là. Ah si. Tiens, il y a quelqu'un qui est chargé là. Oh mince. Elle va se faire dégommer. Non, c'est bon. Il a raté.
Ouais, mais je crois qu'ils ont. Ça a peut-être touché les deux. Ah sur oui, le côté, c'est. J'ai l'impression. Oui, c'est ça, ouais, ça c'est... a touché ceux d'avant. En fait, j'ai l'impression que quand il fait le skill, c'est... ça compte comme ceux qui étaient présents quand il la caste. Ouais, c'est ça. Enfin, non, en fait, il y a un petit délai, je pense, avant, que... avant de switcher. Et du coup. Mm-hmm. Du coup, tu peux pas te dire, vas-y, je vais. Vu qu'il fait. Monde à multi. Annulé. Ah bon, bah. Heureusement que Damona donne des baffes dans des trucs, du coup, hein, toujours. Allez, vas-y! Let's go! Maintenant, Fureur du Chaton version épée! Fureur du Chaton 2. Nya 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 nya! Allez là, ça dégomme là? Ah non. Non, parce que du maintien, ils veulent donner le coup final, regarde. C'est pour Amélie. Ah oui! Ah oui! Ah, ah oui! Bien joué! Ah oui, il a battu un gros camion, bravo! Alors, combien d'exp là? Zéro, parce que c'est pas un boss qui donne de l'exp. Non, ça va. Ah! Bon, le bonus de purification a pas donné tant que ça. Oui, mais comme. Ah non, ça s'est rajouté après, pas avant. Ouais. Ah, ok. Bon, écoute, c'est quand même. Un remède puissant, c'est... au cas où on a du mal. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Incroyable, comment ai-je pu perdre? C'est une calamité. Calamarité. Un calamarité même. Mais bon, t'as fini là. Tu pourrais reconnaître ta défaite avec un peu de dignité là quand même. Je suis très fier de vous tous. Au lieu de faire des blagues. C'était dur, c'est du bon travail. Hein. Je n'y regrette rien. Je me sens plus confiant. Komasan d'ailleurs, il est pas comme ça. Hein. Ouais, ouais, c'est comme le grand Elma disait toujours. Raditz, je m'en suis occupé, c'est bon. Le monde des humains a besoin de notre amitié, pas de notre contrôle. Voir le pouvoir de l'amitié à l'œuvre me remplit de joie et d'humilité. Comment ça, ça me remplit d'humilité? Oh, Whisper, c'est beau ce que tu dis. Ah, il va faire une explosion. Vite. Ah bah d'accord, tout est redevenu normal, ça va. Ouais, il y a un Tosembo avec nous, pourquoi? Et pourquoi pas? Laisse-moi deviner, c'est loin d'être fini, c'est ça? Exactement! Non, pas encore. Ah, on a même un Noko qui est avec nous. Oui, oui, il est. Ah, si Galopin, il est venu! Bah bien sûr, il nous reste une dernière chose à faire, on doit fermer l'ascenseur Yokai! Quoi? Non! J'allais dire, c'est la team canon, mais d'un côté, eh bah, il y en a 7 des yokai avec nous, là, donc. Non. Et puis surtout, le passe-pas, je sais pas d'où il vient, non, surtout. Le Noko. Hein. On n'a jamais vu de Noko, techniquement. Oui, oui. Si on le ferme, vous allez tous disparaître! Quel est l'intérêt d'avoir battu McKraken, alors? Il y a encore la pagaille dans Yokai World, même s'il n'est plus là. Les yokai maléfiques veulent semer la pagaille dans le monde des humains. Fermer l'ascenseur est notre seul moyen de les en empêcher. Après, on sera tous entassés dans 2 mètres carrés, donc du coup, on va tous se battre. Non, tu ne peux pas. Bah, t'as vu, c'est juste un pont. Hein. Chaque rencontre implique un adieu, Hariko. J'ai joué à Majora's Mask, c'est la vie. C'était écrit qu'on allait se dire au revoir dès qu'on s'est rencontrés. Mais je suis pas prête. Ça va aller, il est temps de faire mon devoir de valet une dernière fois. Va te brosser les dents et traverse au vert. Oh, il fait son sort ultime, j'ai tout vu. Ce talisman est exactement ce qu'il nous faut pour s'occuper de l'ascenseur. Il est temps de plier bagages. Ce qu'on dit pas, Whisper, en fait, c'est un moine mort, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Whisper. Ton valet de l'extrême doit rendre son tablier. Les yokai
doivent rentrer chez vous. Oh, si Galopin, il pleure. Oh non, si Galopin. Oh, si Galopin, il pleure. C'est pas grave si t'es plus dans la team. Et ne sois pas triste. T'inquiète pas. Y'a 4 jeux après. Y'a 4 jeux après, sans compter les spin-offs et les jeux de gacha, donc bon, ça va. Je dis 4 jeux en admettant qu'il y a un Yo-Kai Watch 5, mais pour l'instant, on... y a rien de dit. Oui. Donc il y en a peut-être pas. Ouais, peut-être. À la fin de Yo-Kai Watch 4, il y a Whisper, il jette un Omega Blaster sur l'ascenseur des Yo-Kai et c'est fini. La machine Bigokai. Mais Jibania a toujours vécu dans le monde des humains, non? Oui. Ouais, ouais, là, c'est du coup, du coup, là, il est envoyé dans un monde qu'il connaît absolument pas. Il va arriver, quoi, c'est ça, notre maison? Oui, oui, tu vis sur ce petite parcelle de pont, là, c'est bien. Ah, c'est bon, elle a oublié. c'est bon, tu vois. C'est une enfant. Ah, il y a des yokai. Qu'est-ce que c'est pas grave. Tu n'es jamais connu de yokai. Au revoir Genma, mais c'est vrai, on n'a pas dit au revoir à Genma. Genma, du coup, dans cette timeline, est mort, et donc du coup, il devient un yokai, c'est terrible. Et voilà. Oh, regarde, c'était nos premiers débuts avec Flamente et Cigalopin. Ah, alors ça fait plaisir hein, de les revoir un petit peu quelque part. Je sais pas ce qu'ils dansaient en bas, là. Je sais pas, mais je vois des chats. C'était des chats? Non, mais il y avait des chats après. Ah, regarde. Oh. Quoi? Il ne porte pas sa tenue de travail tout le temps? Incroyable. Ah, t'as vu, notre petit chat est venu manger avec nous du thon. Bien sûr. Ah voilà, c'est l'évolution qu'il fallait faire à Jibania, il fallait le transformer en truc vert. C'est quand on réparait notre Yo-Kai Watch. On réparait parce qu'elle était cassée. Oh non, et le camion. Il y a un moment où elle s'est cassée. Là c'est le moment où on affrontait le roi Carpe machin. Mais après tout, on est devenus amis. Ça va, tout va bien, tout va bien. Il y a tout le monde qui va dans le bassin d'ailleurs. Alors, puisque la question n'a pas été assez posée, c'est qui ton yokai préféré? Damona. On a fait notre adieu à Damona. Ah, regarde, c'est quand on a eu notre premier vélo. Parce qu'on en a eu d'autres. J'ai dit premier. Oui, notre premier vélo. Ah, bah, bien sûr. Ça sous-entend qu'il y en a d'autres après. Pourquoi pas? Ah, oh, c'est des Jibaniens fusés. Oh, regarde, c'est le moment robots. Où on a joué à la machine à grappin avec un vendeur d'aspirateur. Non, c'est le moment du chépeau, on rentre avec notre papa, là. Oui, mais... Ah, mais oui, d'accord. On rentre avec... Parce qu'on est rentré avec lui. D'après cette image, oui. Et toi, c'était qui, du coup, ton yokai favori? Moi? Mais écoute, le Shogunia, il était pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai bien aimé. Après, bah, Damona. Alors, c'est qui ton personnage préféré des humains finalement? Ah, dans les humains, le professeur là, trop stylé. Mais oui, ça m'attendait un truc avec lui, pas du tout en fait. Oh, j'avoue, on a rien eu avec lui. Genre, le gars, il a l'air super edgy et super. Oh, regarde, c'est des Jibaniens émeraudes du chaos. Si tu en récupères 7, tu peux devenir un super Jibanien. Oh, il arrive même sur l'écran du haut bientôt. Ah, ouais, c'est quand on est allé. J'allais dire au musée. C'est quand on a répondu qu'on était un gorille. Tiens, d'ailleurs, le papy qui répare la montre est aussi renvoyé dans le monde des yokai. Bah, du coup, oui. Là, il y a des gens qui étaient venus pour commander une montre, pour chercher une montre. Ah, bonjour, je cherche une montre. Ah, oh, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le meilleur humain, c'était le père d'Areko. C'est vrai qu'il était pas mal, hein. C'est vrai, c'était sympathique. Il a beaucoup aimé... Il y a Père Nathan aussi, n'oubliez pas. Ah, ça, c'est le moment où on a fait le Hanami en été. Voilà, c'était notre team. Donc, Komasan, on l'a fait évoluer, c'est pas canon dans l'histoire. Hein. Oui. Désolé. Tu dois pas jouer avec Komasan. Très bien.
J'avoue que j'ai jamais essayé d'appuyer sur un bouton quand un yokai évolue, je sais même pas si on peut empêcher une évolution. Bah non, parce qu'il te demande si tu veux le faire. Ah ok, donc on il peut empêcher. Il te dit est-ce que tu veux faire évoluer et tu réponds non. Ah oui, donc du coup finalement on n'a pas besoin du bandeau de... Non. Machin, non. C'est juste si t'en as marre de tout le temps appuyer ouais, sur enfin, je sais le pas, message. Je sais pas si ça marche. Ah bah regarde, c'est shogunien. C'était le petit teasing. Alors du coup c'était canon de récupérer, tu vois, les crédits l'ont dit. Ouais, enfin il y a plein de yokai qu'il y avait qu'on n'a jamais vu. Oh, regarde. Tu vois, c'est ses yokai c'est préférés, ses yokai préférés voilà. Donc voilà, c'est canon de faire l'histoire avec Jibanien, par contre. Ah oui, tu vois, il n'a pas évolué. Voilà, c'est les 5 yokai qu'on est censé avoir. Jibanien, Jibanien vert, Jibanien violet, Jibanien d'or et Shogunien. Ça va, on en avait 2 sur les 5. Ça va, on n'est pas... Et Whisper, c'est le 6ème. Whisper, c'est le 6ème. À plus tard. Plus tard, calamar. Et voilà. Ma vie est redevenue comme avant. Je vais pouvoir chasser des insectes. On va aller pêcher un huchon géant maintenant, n'oublie pas. Hein? Que j'ai toujours ma canne à pêche. Ah oui, elle est toute petite. Ah, c'est Naoko. Revenu, hein. On est revenu parce que bon, on l'a fini plus vite que prévu. on a réglé les problèmes vite, c'est bon. En fait, on s'est mis d'accord que bon, on a arrêté d'être méchants parce que vivre sur 5 mètres carrés, c'est pas possible. Fin. Bah, je m'attendais pas à ce que ce soit fini aussi vite, j'avoue. On s'est tellement baladé partout, ou je sais pas si c'est parce qu'en ce moment on fait plein de jeux longs, mais sur le coup je me disais que comme on allait débloquer le monde des yokai, on allait avoir un deuxième un monde. Un nouveau monde, mais tu t'attendais pas à ce que ça soit 5 mètres carrés du coup. La librairie Plume Brise Rock. Brique et Broc. Brise Rock, oui. La clinique Bonne Nouvelle et les Trois Safari ont de nouveaux objets. Oh. Cool. On va pouvoir commencer un nouveau chapitre. Le temps passe plus vite dans le monde des yokai que dans le monde des humains, peut-être. Ah, c'est vrai, peut-être. Ah, j'avoue. Ah, mais on voit Jibanien, en fait. Ouais. Allez, on va voir ce qu'il y a de beau. Ah, on a une étoile sur notre fichier, maintenant. C'est un classique, ça, des jeux. Genre, faut mettre une étoile pour dire t'as fini, bien joué. Et du coup, elle a récupéré sa Yokai Watch ou pas? Bah là, elle l'a autour du cou, mais quand les yokai sont apparus et qu'elle les a tous vus, elle l'avait oui. pas. Donc en fait, maintenant, Hariko voit les yokai. Il fait chaud encore aujourd'hui. Il fait chaud encore aujourd'hui. Très bien. Ah mais non, j'ai dit qu'elle avait 2 yokai dans sa chambre, mais elle en a 3 parce qu'il y a... Ah bah oui, il y a le y a aussi, miroir aussi. Bah oui, le miroir, je l'avais oublié. Moi, je pensais que à Madame qui dort. C'est vrai, mais on va pas rester là à étouffer de chaleur. Il faut garder la tête froide et rester concentré. C'est toi qui fais le paresseux. Ah, cette chaleur me rappelle ce jour fatidique quand on s'est dit au revoir et que j'ai quitté le monde des humains. Alors, c'était jour fatidique. C'est genre, c'était hier. C'était il y a 200 ans. Comment ça se passe? Tu as esquivé ma remarque sur ta paresse. Bien joué. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je vais bien. Écoute, tu trouves pas ça un peu bizarre? Avec l'aide de Lucas, on a pu revenir. Mais il a fallu attendre longtemps avant que l'ascenseur ne s'ouvre à nouveau. Et malgré ça, c'est encore les vacances d'été pour vous, les enfants. D'ailleurs, t'as même pas grandi, genre... Quel genre de vacances durent aussi longtemps? Je pense que nous, les enfants, nous avons vraiment beaucoup de chance. Ah, d'accord. Mais... Peut-être. Je sais comment on pourrait s'occuper de notre temps libre. Comme tu le sais, ça n'a pas été facile de revenir jusqu'ici. Et pendant qu'on essayait de revenir, un des sceaux s'est affaibli. Déjà ? Le sceau des limbes éternels, pour être exact. On raconte qu'il est dans le Yokai World, mais personne ne l'a trouvé. Et pour couronner le tout, si le Yokai qui s'est scellé et il se réveille, ben... Il pourrait détruire le monde des humains, on n'a rien de temps. Encore ? Donc je me suis dit que ça serait un moyen utile de passer tes vacances, non ? Plutôt de courir dehors, là. Après mes renseignements yokai, un humain très riche aurait des infos. T'inquiète, on courra. Je sais plus ce que t'as dit, mais on le fera quand même. On pourra rien faire. Oui, voilà. Allons à la pêche aux infos, Hariko. C'est
C'est tout ce qu'on t'a dit. Un humain a des infos sur un terrifiant yokai. Ouais, il s'appelle Professeur Stylé, là. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, oui, mais t'as déjà sauvé deux mondes, tu sais. C'est ce qu'il faut faire. La réouverture de l'ascenseur a tiré des yokai encore plus fort. On a juste à devenir amis avec eux et aller explorer les limbes petit à petit. Tu devrais passer ta yokai watch française aussi, tant qu'à faire. Le monde va pas se sauver tout seul, tu sais. Ok, si tu le dis, je marche. Super. Explore librement la ville. Ah, je pensais qu'on nous dirait... On nous dirait rien. Je sais pas pourquoi je vais dans mon lit. Je voulais sauvegarder, en dormir. Fait. Tu veux dormir. Mais en fait, non, ça, c'est juste un médaillon. Non, tu peux sauvegarder où tu veux. Là. Oui, je sais. Ok, ok. Je faisais... Désolé. Non, mais t'inquiète. Les mots, c'est trop long à ouais, dire. C'est alors, ça, du coup, c'est ça, bah, c'est moi, ça. J'ai déjà la réponse dans la tête, mais je peux pas le dire plus vite. Vas-y, je vais sortir dehors un peu. Parler à tout le monde. Alors, ça fait quoi d'avoir fait un ami en été? Longtemps qu'on n'est pas parti en vacances en famille. Un coup, tu dois t'ennuyer comme tu n'as rien à faire, non? Non, non, ça va. Ah, papa est au travail. Tout le temps est au travail. Bah, en tout cas... En tout cas... Wow. Tu peux lui parler. Connais le temple de la voix du coteau fleuri? D'après les rumeurs, son moine, Monsieur Zen, a des pouvoirs étranges. Genre, il peut joindre des objets entre eux, un peu comme des aimants. J'allais dire, en tout cas, je sais pas à quel point on s'arrête là pour aujourd'hui ou ouais, quoi. Ouais, ouais, on s'arrête là pour aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, voilà, bah, c'était bien sympathique. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser comme des petits fous à faire je ne sais quoi. Faire évoluer Angélique. Oui, déjà, je pense que ça va être notre premier objectif. Et bon, bien sûr, peut-être que ce sera pas possible tout de suite, mais on verra, on verra. Bref, on a reçu plein de yokai trop cool. Là, franchement, Shogunian, ça va. Pas mal, pas mal. Non, j'ai bien aimé sa première sortie. Ça va, il était bien, il était bien. Et voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce stream, cette vidéo, tout ça, tout ça, et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.